on va... Henri, ta chaîne. Qu'est-ce qu'elle a, ma chaîne? Qu'est-ce qu'elle a, ma chaîne? Bah, elle a quoi, ma chaîne YouTube? Ah! Attends, quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, mais il a hijacké ma chaîne, là? Il m'a pas dit! Précédemment sur la chaîne d'Henri. Comment s'appelle ton île? Singapour. Parce que j'ai postulé en échange là-bas et qu'on m'a refusé. Du coup, j'ai pris le seum et j'ai appelé mon île Singapour. Ça fait depuis genre 2-3 ans que j'essaye d'aller à Singapour pour mes études. Et ça fait depuis 2-3 ans que je me fais refuser en boucle. En gros, ça fait 2 fois que j'essaie de partir en échange scolaire à Singapour, 2 fois que je me fais rejected, et donc du coup, je me suis dit que j'allais faire des faux billets. Henri, mon petit frère que j'aime. Je t'ai dit que j'étais parti quelques jours dans le sud, mais... Je t'ai menti. Singapour, tu n'iras jamais. Singapour, 2018, t'avais pas les notes. 2019, t'avais pas les notes. Toujours pas. L'année d'après, tout était fermé. J'ai pris des billets pour tout te montrer. Mais je suis pas venu seul, je suis venu avec des potes. Thanos, Naskid et surtout y'a Bedri. Waouh! Attends quoi? Fais-moi. Animal Crossing. Singapour. Mais quoi? On a kiffé à Singapour. On s'ennuie pas. Singapour. Singapour. Il a dit en arabe, ce bâtard. Je t'aime, Henri. Mon bro. Tu peux aller à Singapour maintenant. Allez. Bonne année. Mais non, il est sur Spotify. Si le son devient disque d'or, on l'accrochera dans le studio d'Henri. Mais c'est quoi ce truc de zinzin? Mais en plus, faut que je lui demande, genre, c'est bien Singapour ou pas? Du coup, je sais même pas. En fait, les gars, je sais pas comment vous dire, genre. Mais c'est banger, en fait, genre, je lui en veux même pas, c'est trop bien. Parce qu'en fait, genre, moi de base, ce dont j'ai eu peur, c'est que après le trailer, ils me disent ouais, je t'ai pris des billets, tu pars tant. Parce que du coup, je me serais dit putain, faut que je remanie tout mon programme. Mais ça, c'est banger ce son. En fait, le pire, c'est que je sais pas comment vous dire, mais je suis touché en fait. Il a pris de son temps alors qu'il m'avait dit qu'il avait pas le temps. Genre, vraiment, il bosse depuis le mois de décembre. Il me dit qu'il est surchargé de boulot et tout et qu'il est au fond du gouffre. Et ça veut dire qu'il a pris de son temps pour faire ça en fait. Le pire, c'est que c'est pas que à moi, il l'a dit aussi à mes parents. Il nous a dit à toute la famille, je pars dans le sud. J'aurais pas beaucoup de connexions. Donc du coup, ne me dérangez pas. Il m'a dit qu'il était en Italie. Alors, mais le pire, c'est qu'ils ont ramené Bedri. Bedri, je te vois dans le chat, là. Pour 2023, c'est comme ça qu'on commence l'année. Appelle-le. Attends. Il m'a envoyé des cœurs. Oh, mais vous êtes tous là. Tu m'entends? Mais oui, je vous entends. Mais vous êtes des zinzins. Ouais. Tu m'avais dit que le lundi c'était le lundi react. Du coup je t'ai envoyé une vidéo pour que tu reactes. Bah le react était incroyable. Je me suis trompé parce que j'avais dit que je t'avais dit que je partais à Gap. Et au dernier moment je me suis rendu compte qu'en fait je partais à Saint-Gap. Et je me suis trompé de, tu vois. Mais je suis désolé parce que je pensais que je t'avais dit. Les gars, en fait je vais même pas vous mentir, je suis grave touché en fait. J'ai même pas la haine ou quoi, je suis grave touché. Mais le pire c'est que tu m'avais dit que genre t'étais à fond dans le boulot et que tu pourrais pas écrire avec moi, etc. Mais c'est parce que c'est pas parce que t'étais occupé. Au final, on a trouvé le temps pour écrire. Et en plus, le nombre de fois où... C'est maintenant, là, tu vas repenser à tout ce que je t'ai dit depuis plusieurs mois et tu vas dire tout ce qu'il m'a dit, en fait, c'était pour me conditionner pour que je me doute de rien. Oui, mais parce que tu m'as dit que t'avais lancé ton livre, que t'avais les séances de dédicace, que tu pourrais pas écrire avec moi, que on pourrait même pas passer du temps ensemble parce que t'étais occupé. Et en fait, pendant tout ce temps-là, t'étais en train de record une musique. Tu sais quand est-ce que j'ai eu l'idée? Quand? Fin juin.
fin juin. Jusqu'à où tu vas aller pour me baiser en fait? Genre je comprends pas. Comment t'as eu mes identifiants YouTube? On va poster un vlog sur ma chaîne où je montre tout le making of de ce prank. Tu vas comprendre comment on a détourné. Tu vois, il y a peut-être un traître dans la salle. Samy, t'en viens là. Salut. Ouais. Je pense qu'il est temps que tu révèles à ton patron ce que tu as fait. J'ai rien fait. Samy est innocent. Samy est innocent. Attends, mais qui m'a pris? T'inquiète pas, Henri, ça va bien se passer. T'inquiète pas. Attends le making of, tu vas tout comprendre. On peut s'appeler après si tu veux. Je sais ce que t'as fait. T'es venu au studio pour uploader. Parce qu'il n'y a pas de mot de passe au studio. Attends, mais t'es encore à Singapour là? Encore à Singapour. Attends, ouvre la fenêtre. Je crois que t'étais à ton appart. Mais pas du tout. Il y a des traîtres dans ton entourage, c'est tout ce que je peux te dire. Attends, tu le sauras en temps voulu. Mais je capte pas parce que à part Samy, il y a personne d'autre qui a l'identifiant. Tu sais Henri, lorsque quelqu'un se connecte sur ton compte depuis Singapour, on est d'accord qu'il faut une validation sur ton téléphone ou une validation par mail. Et donc il faut quelqu'un qui soit devant ton adresse mail pour valider le fait que c'est à Singapour. On est d'accord ou pas? Il se trouve qu'il y a peut-être une personne de sexe féminin qui serait sur ton adresse mail et qui aurait validé quelque chose. Tu vois, c'est possible. Ma meuf! Attends, t'as mis ma meuf dans le coup? Non, écoute. Henri, j'ai pas dit que c'était elle. Vas-y, on s'appelle après. Merci beaucoup à tous. Là, on rigole et tout, mais ça me touche de ouf. Bonne année, les gars. Merci énormément, ça me touche de ouf. Je vais appeler ma meuf. Est-ce que c'est elle ou est-ce que c'est ma mère? Elle va me dodge? Ah d'accord, bon, elle répond pas. Qui est le traître? Qui est la traîtresse? Là, on est dans un Among Us IRL, en fait. Samy, t'es sûr t'es pas un traître? Je te jure que non, genre rien du tout. J'étais absolument pas au courant. Et j'ai même un message pour le prouver. Comment ça t'as un message pour le prouver? Kevin m'a envoyé ça littéralement à 20h40. Bonne année Samy, c'est Kevin. Je viens d'uploader une vidéo sur la chaîne d'Henri, c'est normal. Ne la supprime pas et c'est safe on stream, rien qui puisse le ban. Il m'aurait pas envoyé ça si j'étais un homme au goût. Mais je suis pas dans le coup. Qu'est-ce qu'il... Non, patron. Patron. Putain merde, mais qui est le traître ou la traîtresse? Pour la nouvelle année, il me fait une blague comme ça. Et pour mon anniversaire, en 2022, il m'avait offert ce Lego-là. Vous rendez compte du degré d'harcèlement de cet homme? Vous voyez ce livre, Je veux aller à Singapour? Et ben en fait, il l'a pas fait spécifiquement pour cette vidéo. Il l'avait fait pour la promo de son livre initialement. Si vous allez sur Kevin Tran l'Empereur, et que vous allez sur sa vidéo de promotion pour son nouveau bouquin, lorsqu'il dévoile ses bouquins, il a montré ça pour faire rire en fait de base. En fait, lui, il m'a fait passer ça pour une blague. Il m'a dit, ouais, Henri, on a fait ça pour la blague de la vidéo. Tu parles? Il a jamais fait ça pour sa blague pour la vidéo. C'était surtout pour le clip qu'il a créé ce bouquin. Regarde cet extrait attentivement, Henri. Attends, il y a un foreshadowing dans une autre vidéo. En décembre, il n'y aura pas de vidéo sur cette chaîne. Je vais prendre un peu de temps pour moi, histoire de commencer 2023 bien. Ça se fait trop pas. Non mais qu'est-ce qui justifie une humiliation gratuite poussée sur 6 mois comme ça? Ma mère peut-être? Ma mère n'a pas accès à mon mail, les gars. Rendez-vous compte, dans les PC à la maison, il y a des mots de passe partout. Attends, je vais appeler ma mère. Oui, mon chéri. Allô, maman, ma très chère mère, je suis en direct actuellement. Oui. J'ai une question très simple. Es-tu une traîtresse? Ça veut dire quoi? Est-ce que par hasard, tu n'aurais pas eu accès à mon email pour faire quelque chose qui était extrêmement mesquin? Ah non, du tout. Ah oui? Je ne connais même pas ton email. Je ne connais pas ton email, mon chéri. D'accord. Je sais pas par cœur, en tout cas. C'est tout ce que j'avais besoin de savoir. Je t'expliquerai plus tard. Comment tu peux t'occuper de ta maman? Non, t'inquiète, maman, c'est pas grave, je t'expliquerai après, c'est très drôle, y'a rien de grave, ok? Ah bon, parce que tu me fais peur, là, tu doutes de ta maman, elle est pas contente, elle est triste. Vas-y, bisous maman, je t'explique ça en arrivant, ok? Tu m'expliques, hein? Ouais. bisous. C'est ma meuf, c'est pas possible! Attends, une fille dans mon entourage, mais ça devient un escape game. Bonjour. Elle me ghost, je me fais ghoster par ma propre meuf. J'appelle mon agent. Allô? Allô, Carole? Oui. Ça va, tu vas bien? Oui, ça va, et toi? Bonne année, meilleurs voeux, j'espère que tu vas bien. J'ai une question pour toi très rapidement. Dis-moi. Toi, mon agent, on est d'accord qu'on est extrêmement proches. Oui. On est d'accord que tu me ferais jamais de mal. Si t'es toujours gentil avec moi, je vais pas te faire de mal, non? Mais je suis gentil avec toi. Et du coup, la question que j'avais pour toi, c'est est-ce que tu serais pas une traîtresse par hasard? Quoi?
ça se reconnaît, je suis pas une traîtresse en fait. Fais un coup sur ma chaîne YouTube. Ah attends, mais j'étais sur Twitter juste avant et j'ai vu que t'as fait un tweet. C'est pas moi qui le fais. Bah oui, enfin du coup c'était sur ton compte, mais c'était pas toi en effet. Mais en fait, Kevin. Mais non, moi j'étais pas au courant de ça. Il a posté une vidéo du coup sur ta chaîne. Je pensais que c'était sa chaîne, moi. Non, c'est ah ouais. La vie de ma mère, j'étais pas au courant. Ça, tu mets ta mère dans l'histoire, Carole. Mais je te promets, c'est pas moi, genre. D'accord, très bien. Bah, c'était tout ce dont j'avais besoin de savoir. Non, bah non, c'est pas moi. Voilà, il y a un autre traite. Si tu veux, je pourrais t'aider à enquêter, mais non. Non, parce qu'en fait, c'est pas moi la coupable. Parce qu'on m'a dit que c'était une elle, en fait. Donc là, depuis tout à l'heure, j'appelle ma mère, c'est pas elle. J'essaie de joindre ma meuf, elle me répond pas. Donc je me suis posé la question, est-ce que ce serait pas toi par hasard, tu vois. Mais c'est sûrement ma meuf, du coup. Vas-y, bisous, on se retrouve demain, ok. Bisous, bon live, salut. Merci. Ciao, ciao. C'est grave cool, ça me fait grave rire. Je veux juste savoir qui est la traîtresse dans l'histoire. Je pense qu'il y a de fortes chances que ce soit ma meuf. On va lancer le RIA comme d'habitude, du coup. 15 minutes later. Attends, oh, il y a ma meuf qui m'a appelé. Allô, mon chat ? Oui, allô, désolé, je viens de rentrer. Ah, ok, d'accord. Alors, j'ai une question, mon chat. Je te préviens tout de suite, nous sommes en live. Et du coup, la question que j'avais pour toi, c'est... On est d'accord, tu me ferais jamais de mal. Oui. On est d'accord que ça fait 5 ans qu'on est ensemble et que tu m'aimes. Oui. Donc, du coup, la question que j'avais pour toi, c'est... Est-ce que t'es une traîtresse ? What ? Je vois pas le lien. Non, tu mens. J'ai pas compris. Pourquoi une traîtresse ? Mais tu mens, là. On est d'accord que t'as accès à mon mail. Pourquoi j'ai accès à ton mail ? Bah, depuis ton ordi, il y a mon mail. Non, j'ai pas accès à ton mail. Mais c'est trop grave, mais merde, mais ça peut être qui alors ? Attends, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, aujourd'hui, je n'étais pas censé sortir de vidéo, ok? Va regarder sur ma chaîne YouTube. Bonne année, Henri. Et c'est Kevin qui a sorti une vidéo. Je t'invite à la regarder. Mais en gros, je me demande comment il a eu mes accès à mon compte. Et il m'a dit que dans mon entourage, il y avait une personne au féminin qui lui aurait donné accès à ma chaîne. J'ai appelé mon agent, j'ai appelé ma mère. Personne n'avoue. Par contre, c'est vraiment pas moi. Je vais péter mon crâne, mais... C'est super bizarre. Enfin, non. J'ai pas accès à ça, en plus. Moi, je n'ai pas accès à ça, je les connais pas. Mon frère vient de m'envoyer un message. Ah, au fait, je me suis trompé, c'est pas une meuf. Ah, bah voilà, bah non, mais c'est pas moi. Mais quel enfoiré. Ça fait depuis une heure et demie que je cherche le coupable ou la coupable. Il me dit que c'est une meuf et finalement, c'en est pas une. T'étais la suspecte numéro 1. Non, mais tu sais, parce qu'en plus, moi, je suis tellement bienveillante que quand tu te laisses connecter sur mon ordi, eh ben, je te déconnecte. Pas que tu restes en ligne avec ton Gmail ou un truc. Parce que si tu me dis, malencontreusement, je me fais voler mon ordi pour x ou y raison, pas que tout soit déconnecté. So not me. Tu mens. Tu mens. Je sais que tu mens. Je mens. Les mains en l'air, madame. Je mens. Ok, très bien. Kevin m'a dit que c'était pas une fille, c'est très bien. Je suis désolé de t'avoir accusé, d'accord ? Ça marche toujours pour l'installation ensemble ? Non. Bedri dit que c'est pas Samy. C'est sous tes yeux ? C'est toi ! Sous mes yeux. C'est vous le chat ? Alors soit, en fait c'est soit, ils sont venus dans le studio parce qu'il n'y a pas de mot de passe sur ce PC. Il faudrait que j'en mette un du coup. Soit, attends mais je me serais connecté sur l'ordi de Kevin. Ah mais oui, mais une fois je me suis connecté sur son Mac pour faire un truc. Genre je sais qu'une fois j'ai eu un problème, j'ai dû cut un truc sur l'outil YouTube. Le traître ce serait moi, mais c'est archi méta. C'est archi méta de me dire ça. C'est pas ma meuf, c'est pas ma mère, c'est pas mon agent. Ce serait très méta de dire que c'est moi le traître. Parce qu'il a dit c'est dans mon entourage. Il joue avec ma tête mon frère, c'est terrible. Ah, j'ai reçu un message. WhatsApp. En fait, j'arrive pas à savoir qui c'est. Parce que depuis tout à l'heure, je suis en train de chercher. En plus, tu m'as feinté, tu m'as dit que c'était une meuf. J'ai appelé maman. T'aurais dû voir sa réaction. Montre au visage en live à la cam. C'est bon, il te voit là. Bonne année 2023, les frères. Are you not entertained? Allez, salut. Ah, ah, ah.